Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez courte parce qu'on va s'ouvrir un booster Miracle Battle Cardass Sparking Pack. Alors, en un seul booster, vous avez toutes les cartes de cette mini-série. Donc, il y a 12 cartes dans le booster. Donc, voilà, vous trouvez ça pour pas trop cher. Voilà, hop. Et puis, ouais, bah, je vais ouvrir ça vite fait. Je me mets à côté pour essayer de garder le booster. Justement, ça va être un peu compliqué. J'espère pas trop le déchirer. Les cartes sont mises. C'est un peu bordel. Hein. Voilà. En fait, les cartes étaient mises comme ça dans le booster, quoi. Oups, j'étais pas centré. Bon, on va vite fait montrer la petite pub. Donc, voilà, pas spécial, quoi. Non, rien à foutre de ça. Et là, donc alors, toutes les cartes, normalement, sont holographiques. Donc voilà, genre éclat de verre, mosaïque. Donc Tenchinan. Je vais le mettre là. On a un Yamcha. Donc ils sont directement dans l'ordre, ça c'est cool. Deux. Je ne sais même pas si j'aurai assez de place. Krillin. En 3. Ciao. La 4, oula, spoil, Sangohan, numéro 5, Trunks, celle-là elle est classe, celle-là elle est super classe, en 6, ouais, j'aurais pu les mettre un peu mieux, je peux les abîmer chaque fois quand je touche, quand je les prends comme ça, hop. Voilà, donc on a petit cœur en 7. Ah, colle un peu. Oh, c'est super vieux ça quand même. Hein. Je crois que c'est sorti en 2010. Je sais même pas, je regarde là, j'ai pas de. Je crois. Hein. Bon, après on s'en fout. Vegeta. On a Son Goku. Alors, il fallait bien qu'il soit quelque part. Voilà. Celle-là, elle est sympa. Encore un Goku. Celle-là, c'est la plus belle. Avec tous les persos, là, du Sparking Pack. Juste trop classe. Et la dernière, la numéro 12, on a Shenron. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!